Salut à tous. Donc là, comme prévu, on va comment? Attends, je vais baisser le son. Ça gueule à mort. Voilà. Donc ouais, on va faire l'anneau rouge. Enfin faire. Récupérer l'anneau rouge. Donc pour ça, je vous l'ai déjà dit, il faut tuer 4 ennemis dorés, voilà. Et donc, on va d'abord passer au printemps. Car pour le premier, enfin, il n'y a pas d'ordre. Hein. C'est le plus près. Donc je le fais en premier. Donc il faut que vous soyez au printemps. Alors attendez au passage. Voilà. L'anneau rouge, c'est l'anneau le plus important. Qui multiplie les dégâts de l'épée par 2. Donc déjà qu'on a l'épée niveau 2, ça fait 4 fois les dégâts. L'épée niveau 1 quoi. Par contre ça augmente bien que les dégâts de l'épée hein. Pas du reste. Donc, vous allez voir comment le battre facilement, il suffit de l'assommer. Il a 3 tonnes de vie en fait. Donc vous le voyez, c'est le premier, c'est lui. Ah non, eux je crois qu'on peut pas les assommer. Non. Donc on va utiliser la tactique paralysé avec la graine Pégase. Donc il fait des dégâts monstrueux et il est beaucoup plus fort. Donc, vous voyez, il a 3 tonnes de vie. Et voilà. Premier monstre doré, mort. Bon là je vais paralyser, sinon il est assez chaud à battre quand même. Donc ça, c'était le premier. Donc ensuite, voir le plus près où il est. Ouais, attendez. Je crois qu'il y en a un là-dedans, là. Par là. Ouais, je vais essayer d'aller là-bas. Bon, c'est peut-être pas le plus près, mais de toute façon, je vais tous les faire, alors. On s'en fout. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas d'arbre près de là-bas, donc on est obligé de... saison là automne, donc celui-là c'est en été, donc non je ne connais pas Verker, une soliste devant moi et c'est ça où je cherche pendant 3 vidéos pour les trouver. Donc été, on va passer par là. Ouais, y a pas moyen de passer. Ouais si. Ma critique. Je crois qu'on peut sauter ça. Ah yes. Quoi, il se fout de ma gueule là. Bon ok. Non, on peut pas tuer les fleurs. Octorok doré qui est bien plus puissant. Je crois qu'il tire 3 fois d'ailleurs. Il tire pas 3 fois des fois. Vous voyez, il enlève un cœur s'il nous touche. Et voilà, c'était le numéro 2. Je fais une connerie, c'est pas grave. Donc suivant. C'est toujours trop fort là, on m'entend pas, je suis sûr. Voilà. Alors, La porte des joyaux, donc on a un près de la porte des joyaux, ok.
Oula, ça va être chaud. On s'en fout, hein. Il y en a un près de la porte des joyaux, mais où est la porte des joyaux? Je m'en rappelle plus. Vous vous rappelez là où on a mis les 4 joyaux, qui d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire un truc dans les joyaux, c'est qu'en mode Link, il y a un des joyaux qui n'est pas au même endroit, parce qu'il y a Vire, la chauve-souris là, qui... Mais... Ça peut pas se tuer, ça truc? Ah ok. Ouais, il y a Vire, la chauve-souris qui vole l'anneau et qui le place près d'une cascade, quoi. Et dans Edges, il y a aussi une différence, enfin une petite scène avec Vire comme ça, si on est en mode Link. C'est qu'il y a. Il y a Vire qui enlève Zelda. Et ouais, mais je vais être jeudi en fait, je suis con. Et on doit faire un petit truc là avec. Ah bah voilà, c'est pas. Bon, attendez, c'est en quelle saison celui-là? En hiver celui-là. Ah, il faut que j'aille le changer où l'hiver. Ouais. Bon, il faut que je retourne là-bas en fait. Ah bah non, attends. Si je fais ça, ça peut-être changer la saison. Non. Bon. Ah, mais attends, si. Deux écrans au sud de la porte joyau. Un. Deux. Ouais, ici quoi. Oula. Je sais pas trop là. Bon, donc aller en hiver. Donc vous inquiétez pas, j'utilise juste la solution pour ça. Hein. Je l'utilise pas pour les donjons et tout. D'ailleurs, vous l'avez remarqué parce que je me perds. Hein. En plus, là, c'est pas une solution complète à la con. Hein. Il y a tout. Il y a tout quoi. Il y a les cartes entières. Enfin. Avec tous les écrans, on les voit bien et tout, quoi. Les donjons, il y a tout marqué au millimètre près ce qu'il faut faire, quoi. Donc c'est où qu'il faut aller en hiver, là? Oh la pute! Putain de merde. Comment ça me saoulait, là? C'est bien là, la porte des joyaux. Putain, mais c'est quoi ces conneries, quoi? Ah, au-dessus, pas au sud, mais quel con. Je tremble, héros. Je suis un boulet. Voilà. Donc, en fait, il apparaît à l'écran juste au-dessus, là. En hiver. Ici, voilà. On va d'abord les tuer. Putain, mais oh, mais... Ah, parce qu'en plus ils reviennent, c'est bon. Putain. Voilà. Hiver, c'est bon. Et le voilà. Bon, lui, il vaut même pas essayer de le frapper sans l'assommer parce que il nous défonce la gueule en 5 secondes. Là, vous avez vu. Faut le rassommer de temps en temps. Et voilà. Donc, plus qu'un. Alors, le dernier, il se trouve en automne, oui, mais non. Si, ouais, en automne. Un écran ensuite du premier. Non, attends. À l'entrée du deuxième donjon. Le deuxième donjon, c'est où? C'est où? Le deuxième
Non, est-ce que c'est pas le donjon? Attendez, je regarde sur les cartes, hein, je vais pas me faire chier. Désolé, je triche un peu. Hein. Sans le but, c'est pas de me voir jouer ou que je fous de la merde, etc. Ah, c'est pas ce que je pensais. Ouais. C'est le donjon. Ouais, voilà, celui-là. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ce donjon, je sais pas si je suis retourné là depuis que j'ai les saisons. Ouais, je crois que j'ai pas fait. Est-ce que je suis retourné là après avoir. Alors, ça, c'est en mode bing, quoi. Mais là, je suis sûr que je suis pas retourné là en automne, ça. Mais. Oh. Voilà. Donc, automne. Ah bon, on va avoir des trucs à faire rigoler. Donc voilà, et le dernier qu'on n'a pas fait, donc ça est en automne justement. Il devrait être là, voilà, le mot blindé. En plus, là j'ai épais niveau 2, vous imaginez la résistance qu'ils ont. Et voilà. Donc on a battu les 4. Donc ça arrive des fois on tombe dessus voilà sans s'en rendre compte quoi. Enfin sans faire exprès. C'est comme ça que je pense qu'ils ont deviné qu'il fallait faire ça, hein, c'est qu'on fait la solution. Par chance. De toute façon tout le monde y jouait à ce jeu à l'époque. Je les comprends. Alors, bon, on va déjà évaluer. Oh bah non. De toute façon on est obligé d'y retourner. Puisqu'on va voir l'anneau rouge dans pas longtemps. Putain, ça fait du bien là parce que j'ai que des anneaux de merde et. J'ai pris 3/4 de la vidéo pour ça, mais c'est pas grave. Ah, génial. Voilà, on y retourne. Donc il y a le sage doré, à l'instar des monstres. Hein. Une graine vent mais je peux pas finir à ce point vu que c'est juste à côté. Mais... Putain super beau en automne sérieux. Vous imaginez ça sur une Game Boy Color quoi c'est. Voilà quoi. Lui c'est le seul bâtard qui a. Ouais. Enfin, c'est le seul bâtard qui aime que les saisons ils changent, tu sais. Bon. Et voilà. Oula, 3, 6, 8. Attends, 3. Ouais, 8. 8 anneaux, allez. Donc ça augmente les dégâts de Wang. Protège de malédiction, on s'en fout. Je vous montrerai ma liste complète d'anneaux sur Game Boy Color.
Est-ce qu'on peut mettre le code pour... Voilà, et enfin... On peut mettre le code en parlant à Serpent Rouge. Tu parles à Serpent Rouge. Non, c'est Serpent Bleu. Là. On fait oui. Non, c'est pas ça. On est obligé de faire ça pour annuler, je fais de la merde. Ah non, c'est les livres. C'est les livres qu'il faut regarder. Enfin bon. Attendez. Non. Oh, enfin je sais plus. Il faut peut-être parler à l'oracle des secrets, enfin, je m'en rappelle plus. Mais voilà, il y a moyen de mettre tous les anneaux. Je crois qu'il m'en manque 4 en tout comme ça. Donc on va déjà mettre. On va déjà enlever celui-là parce que sinon on s'en fout. Non, ça peut être utile quand même. Bon, ça suffira. Voilà. Et maintenant, je peux vous jurer que je vais le garder cet anneau. Je vais le garder sans moi jusqu'à la fin du jeu. On va épée niveau 2, plus. Plus l'anneau rouge. Ça va poutrer, c'est moi qui vous le dis. Donc je vais aller au donjon. Et on va se quitter temporairement, bien sûr, pour la vidéo d'après. Je pense que je vais l'enchaîner la vidéo. Normalement, je vous dis comment on fait pour remonter. Voilà, il faut. Ah merde, j'aurais pu. Il faut monter en étant en été. Mais seulement, il y a un truc qui permet de monter en n'importe quelle saison. Quoique. Si, ouais. Bon. Je vais tenter. Je crois qu'il y a un truc qui crache du feu après. Donc, vous vous rappelez, on peut sauter 3 cases. Et voilà. On va sauter 3 cases. Avec un seul truc. Voilà, là il y a un. Oh, on me saoule. Par contre, si on touche les tombes, voilà. Donc là, faut venir en automne en fait. Et normalement, on peut le faire que une fois qu'on a passé ce donjon, parce qu'on peut pas passer le trou. Mais avec cette technique, on peut. Enfin voilà. Et nous voilà dans le 7ème donjon. Ah oui, je me rappelle de ce donjon. Je l'aime pas tellement que ça. Ah si, si, il est super sympa en fait. Celui avec les fantômes. Donc vous verrez. C'est à la prochaine. Allez, salut.